la fanfare de Rieux. L'Indépendant vous invite dans cette région du delta du Mississippi afin de vous faire découvrir les hymnes, les spirituals et les blues que les groupes jouaient en les transformant avec des syncopes, des accélérations, à l'occasion des fêtes religieuses, du carnaval, de mariage, de défilé ou, comme vous venez de le voir, de funérailles. Les groupes interprétaient des chants funèbres lorsqu'ils se rendaient à un enterrement et des marches plus entraînantes sur le chemin du retour. On peut imaginer que nous sommes sur le chemin du retour. Ça va, c'est bon ? D'accord. Nous écouterons ensuite l'hommage rendu au chanteur et compositeur français qui, on l'a déjà dit, a sûrement le plus entonné de jazz et chansons comme Nougaro. Place à The Original Dixieland Jazz Band, l'Indépendant de Rieux, dirigé par Franck Payeux. Pour eux et avec eux, je n'aurai qu'un mot, du bon. Un grand merci à Gabi. Alors, il faut savoir que Gabi, pour l'idée, c'est que... Ah, comment il s'appelle déjà? Vas-y, rappelle le mot. Ça y est, ça m'est revenu. Mais Gabi est pour l'idée, c'est que Jean-Pierre Foucault est pour Sacrée Soirée. Merci Gabi.